Est-ce que c'est perdre du temps En fait, oui, en effet, il y a des délais qui sont très longs, euh, qui sont. Qui sont euh, je ne sais pas s'ils sont incompressibles ou pas, parfois c'est propre à l'inertie de, de, euh, de ces différentes structures. Euh, après, euh, tu as besoin de cet argent pour se développer. Enfin, en tout cas, nous, en tant que jeunes entrepreneurs, on sortait d'école. Euh, on a mis un petit peu d'argent dans notre, dans notre développement, donc dans notre capital. Euh, C'était toutes nos économies. Euh, donc, on a mis 5000 000 euros chacun. Euh, et après, on vivait sur le peu de choses qu'on avait, le chômage, ce genre de choses, ouais. pour pouvoir se développer. Donc. Euh... Si tu veux aller plus loin, nous en tout cas sur notre type de sujet, où on est sur une plateforme de contenu B2C. Il euh, y a des besoins qui sont assez conséquents pour de la production de la plateforme, donc le développement, développement produit, euh, mais aussi il y a des enjeux marketing, il y a des enjeux d'acquisition, de, de rétention. Il y a beaucoup d'enjeux différents de compréhension de tes utilisateurs. Donc tu as besoin de ressources. Et, euh, et donc euh, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Est-ce que c'est du temps perdu Ça te permet de